Eh bien salut à toutes et à tous les compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Écoutez, pour ma part ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour le 31ème épisode de Far Cry 4. Voilà, c'est en train d'attaquer sec les cochons, les pauvres. Genre aujourd'hui pour cet épisode, alors je suis un petit peu j'ai le cul entre deux chaises pour être honnête avec vous. Alors aujourd'hui on va s'amuser, on va faire de l'exploration un petit peu. Mur de Raka Ankita. Ça commence bien là. Ça commence bien. Parce que on est à la fin du jeu et en même temps on n'est pas à la fin du jeu en fait. J'ai réfléchi et c'est très bizarre ce qu'on a vécu dans le dernier épisode. C'est très bizarre, on va en parler. On va en parler, en tout cas j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Alors je vous rappelle que du coup on avait fait cet avant-poste ici dans le dernier épisode. Et là aujourd'hui on va faire le clocher et on va aller voir Longinus. Voilà, tout simplement. Puisque tout simplement si on va voir Amita, eh ben, je crois que c'est la fin du jeu. On doit voir aussi Yugi et Rigi avant. Enfin voilà, on doit faire des petits trucs avant d'aller voir Amita. Parce que si on va voir Amita, en théorie elle nous a fait comprendre globalement que ce sera la fin du jeu. Alors oui, bien sûr, on peut toujours rejouer au jeu après, etc. Essayer ça, hein. Mais bon, moi je veux terminer le let's play proprement une fois qu'on aura terminé notre quête principale. J'ai pas envie de continuer indéfiniment, vous voyez. Donc du coup, on va tout faire avant. Mais du coup, c'est marrant parce que... Mais dans quel bourbier je me suis mis, moi, là? C'est marrant parce que j'ai regardé la progression et on est à peu près 50% du jeu. Et c'est un truc de ouf parce que, en admettant que c'est vraiment la fin du jeu en allant voir Amita, mais en admettant que ça nous réserve, allez, encore 10%, 15% grand max de la progression. Je dois aller où là? C'est une plaisanterie? Ah, attends, il y en a un autre qui est caché là. Hop. Allez, en admettant qu'en faisant la mission d'Amita, ça me fasse augmenter de 10-15%, ça voudrait dire que il resterait genre une quarantaine de pourcents de missions secondaires. Alors c'est pas impossible, mais je trouve ça quand même vachement énorme. Parce que ça sous-entend quand même qu'il y a 40% du jeu qui n'est pas important. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais frère, ils courent super vite les loups là. Je suis un peu dans la merde là je crois. Si je me retourne, vous pensez? C'est bon, ils ont lâché l'affaire. Bref, donc c'est assez, voilà, je remets en question pas mal parce que je me dis, bordel, la série est plus longue, mais en même temps, vous voyez qu'on pourrait la raccourcir si on voulait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'adore ce jeu en tout cas, et c'est un plaisir, et on va faire durer le plaisir un maximum. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que là, on touche, les doigts de la fin, alors que, ben... on peut être loin de la fin quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Très bizarre ce que je suis en train de raconter. Je suis censé rentrer par où là? Ah. Là? Non? Ça commence bien? Là peut-être? Ah! Alors là, ça commence à être un petit peu gênant. Peut-être. Non. Bah alors là Bon écoutez, de toute façon j'ai du RPG, on va en profiter. Voilà. Ah, j'ai des méchants maîtrousses du coup. Et c'était pas ça la solution. Bon, ben les amis, ça commence bien. Je peux pas prendre la tyrolienne, elle va pas dans le bon sens. Mais qu'est-ce qui t'arrive là, copain? Attends, parce que là, il y en a, ils ont besoin de dopamine. Voilà. Je te donne un peu de dopamine, mon ref. Voilà. Bref, comment... comment on rentre? Non mais là, il y a rien. Il y a un vrai problème, là. Bon, j'ai peut-être trouvé une solution d'urgence là, mais ça me paraît quand même vachement bizarre. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas trop de choix. À mon avis, ces pierres sont pas là pour rien et je vais tenter un truc complètement débile. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'essaye, mais ça me paraît débile. Hein. Oh, incroyable. Je sais pas du tout si c'était ça qu'il fallait faire. Superbe. Du coup, attendez, parce que j'avais vu l'affiche là. Oh là là, je suis content.
Ouh, je suis content. Par contre, ça faisait très longtemps là que j'étais sur l'énigme, moi j'avoue. Compliqué. Bah, c'est pas fini. Ah, voilà. Oh. Attendez, je vais essayer de trouver la solution quand même. Oh purée. Il fallait passer par en bas. Oh, fallait qu'on passe par en bas. Il devait y avoir un accès. Oh mon dieu, d'accord. Bon bah voilà. Eh bah, j'ai trouvé la solution, une autre solution. Parce que je suis plus malin que la moyenne et que mon QI est au-dessus de absolument tout le monde. Non, je rigole. Du coup, mon cul peut-être, oui, ça c'est clair. Alors, là, voilà. On grimpe. Alors, je suis peut-être un peu enrhumé, les amis. Hein, vous m'excuserez. L'été arrive, je suis enrhumé, je suis un connard. Hein. Allez! Allez! Sa mère l'hypopète! Bon, c'est peut-être aussi parce que je tourne les épisodes à l'avance. Allô! Oh, c'est quoi ce jeu de mort? Ah, attendez, je suis peut-être un peu débile. Voilà. Mais non. Allez. Ah, ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Bon, bah voilà. C'était pour me tromper, en fait. Mais ouais. C'est des bâtards. Voilà, tout simplement. Putain, on dirait les messages du confinement, ce qu'elle nous raconte, la madame. Coïncidence? Je ne pense pas. Allez, salut. N'oubliez pas le like ou le dislike. Bien évidemment, 14e clocher. Plus que 3 à libérer, bien sûr. Et on débloque. Enfin, je veux dire, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Le temple de Doomprana. Même les soldats font prière carrément. Triangle de l'homme mort. Ah oui, bah là, il reste plus que des cochons. Et puis enfin, nouveau mot de passe suffit à tous les coups. Même pas chambre forte des saisies de l'art. De l'armée, j'imagine. Visiblement, il y a eu un bug. Gratuit au comptoir, une sorte de FAMAS absolument éclaté au sol. Mes respects, bien sûr, aux militaires. Mais bon, éclaté au sol quand même. Ok, c'est très très bien. Très très bien. Regardons un petit peu la carte. Alors, bah du coup, les trois derniers clochers, c'est là, là, là. On a 4 avant-postes. 5, pardon, avant-postes. Bah, les 5 derniers avant-postes, en fait, hein. Voilà, on a les 3 derniers clochers et les 5 derniers avant-postes juste ici. Je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout à fait. Et puis là, la forteresse de Pagan. Est-ce qu'il faut la faire tout seul ou est-ce qu'il faut la faire avec Amita? Putain, c'est une bonne question tout ça. Moi, je suggérerais de d'abord faire le goulag. Non, mais non, faut d'abord faire Amita et ensuite faire le goulag. Pour qu'il soit plus simple. Bah oui, regardez, affaiblissez la forteresse en terminant plus de missions de campagne. Voilà, tout à fait, bon écoutez, très bien. Bon, dans tous les cas, là on va aller voir Longinus, hein, ce n'est pas la question. C'est parti. Hop là. Ah, je suis vraiment enrhumé par contre, vous allez voir la décadence durant cet épisode, c'est incroyable. Hop. Ceci étant dit, ceci étant fait. J'adore cette phrase, mais je sais pas si elle existe pour de vrai, cette phrase que je dis tout le temps. Je veux dire, est-ce que je suis vraiment le créateur de cette phrase? Ceci étant dit, ceci étant fait, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui se dit souvent? Parce que si tel est le cas, je peux déposer un copyright et je peux même faire une marque de vêtements avec écrit dessus ceci étant dit, ceci étant fait. Et je pense que vraiment tout le monde achèterait ces t-shirts, hein. Alors, il n'y a pas de doute. Allez, voyons voir Lester. Tu sais que le L en orange, ça me fait penser à Lester dans GTA V. Ah, bon courage, on n'est pas ensemble, hein. Ah, vous savez vous démerder, hein. Comme dit, un jour je ne serai plus là, hein. Alors débrouillez-vous. Allez, toujours dans ces petites tentes, petits campements. Pas de conduite automatique, j'en ai rien à péter, je veux descendre moi. Voilà. On va éviter de mourir. Voilà, bah déjà j'ai perdu de la santé. Je suis là mon copain. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout. Je suis prêt pour la suite. Ah. Et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et tu répondis en disant, me voici, envoie-moi! Ta dévotion me va droit au cœur. Et le Seigneur s'en réjouit. Il y a une autre brebis égarée. Tu sais quoi faire? Je la trouve, je la suis, je prends les diamants et je les rapporte. Par la bouche des enfants, tu as fondé ta force pour faire taire tes ennemis. Et devenir le vengeur.
quel verset ? La parole de Dieu ne se trouve pas toujours dans les chapitres et les versets. Où tu es parti ? ça m'a fait rire ça maintenant. Ça m'a fait rire. Un prix élevé. Peut-être la dernière mission de Longinus, peut-être pas. Et en fait, je pense que ça répond à ma question. Attendez, je vais les aider quand même, les rouillards. Je pense que ça répond à ma question, tu sais, où je me dis on est à 50% du jeu. Que je trouve ça assez bizarre. En fait, ça se trouve. Autant Amita, c'est peut-être la dernière mission en effet principale. Mais en fait, ça se trouve, Longinus il nous attend encore pour 2-3 missions. Hein. Et ça se trouve, c'est ça. Hein. Donc voilà. Quelqu'un veut me donner de la thune ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais vous êtes pénible. Oh, bien joué. Bon, quelqu'un veut donner de l'argent ? Toi, tu veux me parler ? Non, bon, allez tous vous faire foutre, de toute façon. Je suis. Eh ben voilà. Trop tard. Elle voulait me parler, trop tard, je suis parti. Fallait être un petit peu plus réactif, enfin. Hein. Bah oui, hein, quand on veut quelque chose, il faut tout de suite le... Hein ? Allez ! Allez, salut ! Bon, voilà. Comment ça va? Sinon, vous passez un bon moment? Ça faisait longtemps quand même, hein. Bah ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas foiré quelque chose. Oh purée, c'est bon ça. Tiens, on va récupérer aussi, bah ça tombe bien, au lieu de faire du wingsuit à tout va, là, on va récupérer un peu des feuilles rouges et des feuilles bleues. Et voilà, pour faire un petit peu des seringues. Oh, oh tiens, voilà, quelqu'un. Petit ours brun. Ah! Je te ferai pas de mal, Coco. Hello again. Ouh. Makeba, makeba, makekela. Oui. Ok. Oh, il y a un camp ici. Vous pensez que c'est des gentils ou pas? Ah, pile sur un ours. Ah. Ouais, et, mais c'est un mutant, hein. C'est un ours mutant, le Rouya. Allez. Un prix élevé, c'est le nom de la mission, bien sûr. Un hélicoptère nous attend en plus, incroyable. Trafiquant en approche, attendez sans vous faire voir. On a fait ça à pied, on a fait ça en voiture, on a fait ça en bateau. Maintenant on va faire ça en hélicoptère. Là à mon avis, on va pas se faire cramer. On s'est toujours fait cramer, là on va pas se faire cramer. C'est impossible qu'on se fasse cramer. Hop, le trafiquant. Filez le trafiquant. T'as cru que j'étais un pêcheur ou quoi? Bon bah lui à coup sûr il va aller là hein. Non? Ah bah non, il va monter là-haut. Voilà. On va essayer de deviner où c'est qu'il va aller. Bah il va aller soit à droite où il y a le feu, ou soit à gauche dans le campement là. Moi je dirais à droite. Évidemment il va à gauche. Voilà. Bon bah au moins on sait où il va hein. Je pense qu'il va aller là à droite. Ouais. On parie ? Pas du tout. Tout ce que je raconte c'est de la merde. Ma foi. Ah. Ah, encore mieux caché. Très bien. Tuer le trafiquant. Y'a pas de problème. Ah, attendez, là on va me voir. Là on me voit pas. C'est marrant ça. Hein. Et bien fait ce jeu. Hop. Oh non. Pourquoi à chaque fois je suis à la limite de me faire cramer tout le temps? C'est dingue. Oh, arrêtez. C'est qui me voit mais que je vois pas là? Ah, c'est toi. Ah ouais, ils sont sur le qui-vive quand même hein. Ils sont sur le qui-vive. Venez, on fait ça bien. Bon, on peut y aller bourrin hein. Et c'est ce qu'on va faire dans tous les cas. Ah, bah, et puis en plus il y a un masto et un sniper. Alors regardez bien, ça va aller très vite. Alors attends. Moi je vais d'abord faire le mec. Ah. C'est gênant ça. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Ça c'est gênant. Ça c'est gênant. Allez. Ok. Aïe, mais attends, c'est pas possible de tirer à travers des feuilles. Bande de fumier là. Oh. Oh, ce que je leur ai mis. Allez, bon, le masto. On va pas se prendre la tête. En plus, il est près d'une voiture, regardez. Hop, ça dégage. C'est ça ce qui est pas mal quand il y a des véhicules ou des explosifs, tu vois. T'as pas besoin de te prendre la tête, t'as juste à tirer dedans et puis c'est tout quoi. On va éviter de passer par le feu quand même. Hein. Hop, on récupère les munitions. Non, ça marche pas comme ça, très bien. La flemme de fouiller les corps. Hop! On a le badge, on a la clé, on rentre directement. Bonjour. J'ai l'ennemi en visée.
Voilà. Là il y a du monde. Là il y a du monde. J'allais dire c'est toujours la même chose. Là c'est un peu plus dur. Là c'est un peu plus dur. Bon maintenant on sait qu'est-ce qu'on doit chercher à chaque fois hein. C'est où? Oh. C'est là. Hop. C'est bon, on a récupéré. On se barre. Prenez la fuite. Waouh. On va s'éclater là hein. On va s'éclater. Allez, salut. Wouhou, makeba, makeba, makeke la, gale gale, oui, on makeba, makes my body dance for you. Oui. Bande de nulos. Hop, ça dégage. Hop, j'ai pas le temps pour vos conneries, moi. Allez, salut. Allez, décolle, salope. Oh, j'ai eu peur, là. Allez. Vous savez pas où je vais, je m'en fous. Apporter le diamant de guerre au point de livraison. Ah, bah, c'est justement le point... que je pensais qu'on allait aller avant. Voilà. Ah c'est pas non plus enfin, là ils peuvent venir le rechercher hein. Mais bon. Soit. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Lagon des larmes. Oh mais il faut sécher ses larmes. Alors voilà, hop je mets dans le coffre. Voilà, personne ne le retrouvera bien sûr. Ça c'est fait. Un prix élevé, mission terminée. Il y a un coffre qui est caché. Absolument. Absolument ici, très bien. Bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à Mita. Ah, nouvelle quête Longinus. Donc c'est bien ce que je dis, il reste encore des quêtes Longinus. Et c'est pour ça en fait qu'on n'a pas non plus terminé le jeu en soi. C'est assez amusant. Hop là, headshot. Oh la roulade qu'il a fait lui. Voilà. Attends, lui on va se le faire au couteau. Au couteau. À la one. Bon bah voilà. C'est pas grave. Quelqu'un veut me donner de la thune? S'il vous plaît, que je puisse acheter des armes en me précipitant. Ce serait sympa. Ah, toi tu veux me parler toi. T'as la tête hey, de... Jay. Ouais. Je t'ai manqué? Bah ton argent en tout cas. Quelqu'un veut me parler? Toi. Namasté. Non, toi. Non, toi. Plus. Ouais bon. Ah si. Merci. Merci. De rien. C'est pas passé loin. Oui, tout à fait. Bon, alors attendez, regardons un petit peu ce qui est possible de faire. Bon, on peut retrouver Longinus, c'est ce qu'on va faire, je pense. On va enchaîner les missions de Longinus, les copains. Parce que bon, voilà quoi. Hein. On va enchaîner les petites missions de Longinus en tout cas. Oh putain, Yogi et Rigi. Et puis il y a aussi les Tanka de Shangri-La. Mais alors ça, les gars, ça me... Vous savez qu'on est même pas obligé de les faire hein, pour terminer le jeu du coup. Hein. Je suis à deux doigts de pas les faire. Hein. Je suis à deux doigts de pas les faire, mais vas-y, c'est le truc, c'est au niveau de la valeur du tableau. Enfin, moi, je suis quand même assez partant pour le faire, et puis je pense que vous serez déçus si je le fais pas. Mais ça me dérangerait pas de pas les faire parce que bon, les épisodes où j'ai pu se péter des câbles, c'est à Shangri-La hein, quand même, hein. De manière assez générale. Et pour cause, donc bon, bref, allez, on va aller voir Longinus. Peut-être dernière mission, qui sait. Peut-être dernière mission ou avant-dernière. En tout cas, voilà. Je peux rien confectionner, très bien. Ah, seringue d'overdose, oui, d'accord. Faudra que je regarde de nouveau les points de compétence un petit peu. Alors ça, c'est chiant, ça. Voilà. Prends un karma. Eh. Ça, c'est le karma, ça. Putain. Moi, je suis en train de me promener tranquillement. Promenons-nous dans les bois tant que Pagan n'est pas là. Si Pagan y était, il nous truciderait. Voilà. Tout ce que j'ai envie de vous dire, moi. Allez, Zébardien, Zanzazion, Zanzazionel. Longinus n'est pas grand, mais son anus l'est autant. Alors. Ah, purée, faut que j'arrête. Arrête la drogue. Oh là, ça va vite. Oh putain, c'est trop bien fait. Vous avez vu comme c'est bien fait, du coup, comme on a descendu en pic, même le parachute il allait super vite et ça c'est bien fait, voilà. Bonsoir, tout ce que je voulais dire. Ah. Et le seigneur dit
qui enverrai-je? Et je répondis, je suis là, envoie-moi. Je viens d'une terre de ténèbres et de mort. Et j'ai côtoyé le diable si longtemps. Quoi ? L'alcool, c'est pas cool ? C'est lui-là. Voulait des papiers pour emmener sa famille dans un lieu plus sûr. Et c'est lui-là. Il voulait de quoi soigner la malaria de son fils. Il a même essayé de me tuer. Je lui en veux pas. Non ! Ce n'est pas terminé ! Nous avons du travail. Tu sais ce que tu dois faire. Et je sais ce que j'ai à faire. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. Ah, c'est ce que je me dis souvent quand je picole hein. Bon bref, une dernière pénitence. C'est tout à fait la dernière en effet. C'est tout à fait la dernière visiblement. Il est en train de craquer Longinus. Ah, c'est un chic type hein. Ah, c'est un chic type, il veut juste se faire de l'argent quoi. Mais voilà hein. Bon allez, rendez-vous pour l'observation. Code en finis. Longinus, moi je l'aimais bien quand même jusqu'ici. Enfin je l'aimais bien, je veux dire c'est... L'émission avec lui c'est assez sympa. Moi le seul truc que j'ai en travers de la gorge, limite Pagan, je le préfère. Paganmin, hein, le dictateur, le méchant de tout. Je le préfère limite à Willis. Je l'ai toujours en travers de la gorge. Je vous jure. Allô. Ah, ça c'est un petit peu gênant. Voilà. Oh là là, mais quel enfer. Bon allez hop. Ouais, je l'ai vraiment en travers de la gorge là, le Willis qui nous a trahi là avec son avion. C'est un truc de dingues. C'est un truc de dingues. Je sais pas quoi en penser, j'ai hâte de voir vos commentaires là-dessus. J'ai pas encore vos retours sur cette trahison. Peut-être que dès le début vous ne le sentiez pas, je ne sais pas du tout. Peut-être vous le sentiez d'or. Vous avez compris la blague. Vous le sentiez d'or. Bon. Hop, les affiches de propagande, ça dégage, on n'en veut pas ici hein. On n'en veut pas ici. Merci, bonsoir. Et on est où là? Utkarch. On est à Utkarch. C'est pas là où on... C'est pas le village qu'on a sauvé des bombardements. Ah non, Utkarch c'était... je sais plus. C'est pas là qu'on avait tué le clown de Pagan. Oh, je sais plus maintenant hein. Ça remonte hein. Ça remonte. Allez, oh fleur bleue. Incroyable. Let's go. Ah non, c'est violet. Où est le... En bas. En bas, là. Attendez sans vous faire voir. Hein? Incroyable, il est déjà au point... Ah non. Bah ouais. Bah j'ai chié dans la colle, je vais avoir un échec de mission, quoi. Faut mourir. J'ai pas de véhicule, je peux rien faire. Je sais pas à quel moment j'ai chié, mais attendez, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Regardez, regardez, messieurs dames. Hop là, personne ne s'y attendait, mais je suis un super héros. Ok, moi j'y crois, moi. Moi j'y crois, il faut y croire. Et ben voilà. Et ben voilà, je suis un boss. Ah, je me suis enflammé. Ah, c'est gênant, je me suis enflammé. Il y a des ennemis partout en plus, frère. 200 mètres, à mon avis, je vais le perdre.
À mon avis, je vais le perdre. Le trafiquant est trop loin. Ah, c'est dommage parce que je suis sûr que j'étais au bout là. Checkpoint. Non, c'est bon. Eh, hey, checkpoint. C'est bon. Et on a de la chance, hein. On a de la chance de pas avoir foiré la mission, hein, quand même. Parce que là, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Alors, j'aurais pu monter dans la voiture, peut-être. Enfin. Tuer le trafiquant. Oui, oui, mais on va se calmer avec la musique. On va se calmer avec la musique. Oh. En plus, il... Ah, il fait pipi, regardez. Voilà. Oh là là. Oh, il a rien demandé lui. J'adore ce jeu. Oh, par contre le masseau ça fait chier ça. Attends, viens là. Voilà. Y'a plus de masto. Allez, let's go. Y'a plus de masto. Allez, on récupère bien sûr. Clé de chambre forte. Entrez dans la chambre forte. Wouhou. Oh non, attends. Attends, je vais enlever la fiche de propagande. Si déjà. Parce qu'après, il faudra prendre la fuite. Voilà. Zébardir, zanzazion, zanzazionnet. Bon, là, ils vont être 1 million. Ah non. Ça me paraît trop petit. Y'a quelqu'un? Oh merde, je croyais qu'il était mort. C'est injuste. Le trafiquant est trop loin. C'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? J'ai fait bugger le jeu carrément. Il est où le machin? Là. Hop. Et voilà. Diamant de guerre. Allez, salut. Je me casse. Allez, salut. Wouhou. Ah, c'est de l'autre côté que je dois aller. Rapporter le diamant de guerre, y a pas de problème. Si je pourrais avoir une voiture, ce serait chouette. Par contre, j'ai fait bugger le jeu. Regardez, le trafiquant est trop loin. Y a le message d'erreur qui reste. C'est incroyable. C'est incroyable. Y a que moi pour faire ça, hein. Y a que moi qui arrive à faire ce genre de choses. C'est absolument phénoménal. Bon. Du coup, moi, je suis pas contre d'avoir un moyen de locomotion. À moins que un TP rapide s'offre à moi. Non, pas vraiment. Donc bah écoutez, on va se faire une petite promenade de santé. D'ailleurs j'espère juste que le trafiquant est trop loin, on va s'enlever. Enfin, de toute façon vous inquiétez pas, hein. De toute façon on va pas tarder, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Mais enfin, dans tous les cas, j'enlèverai ce message, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il est beau Pagan. Oh attendez, sur le chemin il y a quand même des trucs à aller voir. Donc si déjà, ministère des affaires publiques. Ok. Je peux lire? Ou c'est confidentiel? Ne me prenez pas pour un pigeon, je sais bien que le but de votre présence ici est de la propagande. La propagande est démoniaque. Paganmi n'est pas un dieu, car seul Dieu est Dieu. Voilà la seule vérité honnête et logique. Banachur est notre seigneur, et au lieu de créer des sanctuaires pour le dieu unique, vous créez des hôtels pour Paganmi. Eh, il est très lucide, hein. Bravo, hein. Bravo mec, t'as tout compris. Ah. Attendez, il y a un coffre là. Ah. Ah. C'est une blague. Vous êtes au courant que je peux pas bon, allez vous faire foutre, c'est bon. C'est on peut même pas récupérer le coffre, c'est un troll. Bref. Ah, sur le chemin, j'ai un moulin à prière. Let's go. Trop bien. Hop, on y arrive les amis en tout cas. Bouh. Et attendez, il y a un livre dans l'eau. J'y vais direct. J'y vais direct. J'irai au bout de mes rêves. Parce que là, messieurs, dames, c'est pas n'importe quel livre. C'est le livre. Ah non, pas du tout. Si, journal de Moen Gale. Et Moen Gale, bah, c'est le daron, quoi. Donc c'est important. Bon, là, à mon avis, il a pris la flotte, hein. Let's Moen Gale and get it on. Hop, play. Allez. Une petite centaine de mètres, même pas. Et des petits trésors de Kilops sur le chemin. Bracelet en argent, let's go. C'est trop beau les bracelets en argent, moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime l'argent, hein, finalement. Hein. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez l'argent, n'oubliez pas le like. Eh, je suis lucide. Oh, je m'attendais pas à une cinématique. Oh non, Bichette, tu t'en vas. Hey Jay,
Je suis content de te voir. Vous allez quelque part ? C'est terminé. J'ai achevé mon œuvre. Et le Seigneur m'appelle ailleurs. Et où ça ? En Amérique du Sud, je crois. Ou peut-être Cuba. En Cuba ? Il me reste encore beaucoup J'arrive. De péchés à expier. Merci, EJ. Merci de m'avoir montré qu'il reste encore de vrais croyants poursuivant l'œuvre des justes. J'aurai toujours une dette envers toi. J'y crois pas. Je t'ai laissé un petit quelque chose pour te remercier. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit à tous, allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, va, EJ, et prêche tes propres sermons. Bon, j'espère qu'il est sobre, hein. Parce que boire ou conduire, il faut choisir. Bon, les amis, adieu et à jamais, Longinus. Merci, mon ref. Ah, oh, bah, il était rapide, hein, pour partir. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il va à Cuba. Il m'emmène même pas à Cuba, le salaud. Incroyable. Le puissant lance-roquette est maintenant disponible. Oh là là. Ok. Il nous a fait un. Il nous a fait don d'un grand lance-roquette. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va s'arrêter là pour cet épisode, bien sûr. Mais par contre, on va aller à un TP rapide pour faire une mission, une petite mission. Bah voilà, on va aller là. Comme ça, dans le prochain épisode, au début du prochain épisode, on va faire une petite mission libération d'otages, quelque chose comme ça. Et avant ça, juste, on va regarder le lance-roquette là. Ouais, libération d'otages. On va faire ça. On va faire ça demain, 16h. Mais où est l'armoire là? Elle est là. Le lance-roquette. Alors là, ça, on s'en fout. Oh. Alors attends, déjà on va acheter bien sûr tout ça. Arme ici. F1. Très bien. Là. Ah ouais. Et c'est mieux que le RPG. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ok, go direct. Et en plus on peut acheter une lunette. Incroyable. Incredible, me diriez-vous. Ok, peinture. Moche, nul. Ok, très bien. Bah écoutez. Non, je fais ça comme ça, c'est déjà fait, j'aurais pas besoin de le faire en off. Attendez juste, je sors pour regarder un petit peu. On aura l'occasion de l'essayer sur les mastodontes évidemment. Oh putain. Oh. Quoi? Ça verrouille? Mais non. Mais non. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh les amis, maximum de pouces bleus et à très vite. À demain 16h. C'était Mkolo, ciao tout le monde.